this dude King Julian style. Salutations les viewers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre second test et découverte de la journée. Celui-ci portera sur un petit jeu qui se nomme Voyager. Alors je tiens tout d'abord à remercier les développeurs Planetary Gear et Logical Extreme de m'avoir gentiment proposé de tester leur petit jeu, sachant qu'il est aussi édité par Planetary Gear, donc ils m'ont envoyé une petite clé afin que je découvre leur petit jeu. Donc on va faire ça dès maintenant. Il est sorti le 25 mars 2023. Il est au prix de 1,99€ sur Steam. Il se joue en solo, en coopération locale, en écran partagé. La compatibilité manette est complète et vous pouvez aussi profiter du Remote Play Together ainsi que du Remote Play sur télévision. Il n'est qu'en anglais. Alors si j'ai accepté de tester leur jeu, ça me faisait penser un peu à Onde. Un petit jeu que je vous ai aussi fait découvrir sur la chaîne. Sauf que dans Voyager, on va partir dans un voyage à travers la musique et l'espace. Une expérience minimaliste, relaxante et atmosphérique pour se détendre un moment nous attend. Eh bien écoutez, on va aller découvrir tout cela dès maintenant et s'embarquer pour ce petit voyage musical, cette fois-ci dans l'espace. Ok, nous voici, nous voilà sur l'écran d'accueil. Alors pour les options, c'est assez rapide. Il y a fenêtré ou plein écran, la luminosité et le son. Donc là, c'est pour les lumières et les effets de particules. Moi, je me suis mis ici. Le son, je l'ai baissé là, histoire que ce soit pas trop fort. Et puis, bah, ma Z, on va faire nouvelle partie. Voyage commence. Mystery, stride you and discover beauty once more. Click to boost. Ok. Find the hidden planet. Trouver des planètes. Voyager route. Ok, donc voilà comme onde. Une petite sphère qui est là. J'ai mon curseur qui m'indique où se situe la petite bouboule. Alors je peux pas zoomer, je vais enlever mon curseur histoire qu'on soit tranquille. Il faut que j'appuie sur la petite souris. On a découvert un truc là, je vais taper dans le soleil, non? Même pas. Ok, on a revu une planète. Ok, je peux passer dedans. Est-ce que je peux influer sa trajectoire et la faire repartir dans l'autre sens? Non. Ok. Orbiteur, succès déverrouillé. On va passer en plein dedans pour voir. Hein. Je suis parti un peu loin, les jeunes là. On va repartir dans l'autre sens, non? Je sais pas où on va aller comme ça, mais... Ah! Capture d'écran, machin, je sais pas ce qui s'est passé. Faudrait que je tape peut-être là et que je trouve quelque chose. Donc, number under the infinite feet, death cats. Et il est 9h40. Ok, succès déverrouillé. Ok. Je vais partir comme ça. Ouais, sauf que là, je reviens pas. Si. Ok, il y avait une planète là-bas. Alors, ça se trouve, faut que j'arrive à taper sur la planète pour valider la progression. On l'a revu. Ah, bah voilà. On va se laisser avancer pour qu'elle fasse un joli cercle blanc tout autour. Et après, je me décrocherai. Si elle pouvait se dépêcher d'avancer, ce serait bien. Il y aurait une autre planète. Je veux déjà finir mon cercle et après, je repars. Elle vient donc par ici, petite planète. Elle était juste là.
Je l'ai loupé de peu. Bah là aussi. Non, ça va être chaud hein, de réussir à mettre la main dessus. Ah ouais, là je suis parti hyper loin. Ok, alors, je suis interstellar, je suis parti complètement à l'autre bout. Ce serait bien que j'arrive à la faire revenir. Alors pour les touches, on sait pas forcément. Enfin, je sais que je dois faire clic gauche sur ma souris, mais attends, j'ai loupé la planète. Mais c'est tout quoi, on n'est pas plus aidé que ça. Hein. Je sais pas si en. Enfin, non, je crois pas que sur la page d'accueil il y avait quoi que ce soit concernant les touches activables. J'aime bien gueuler la planète. Hein. Ah zut! Je passais juste à côté. Dépêche-toi, reviens. Ouais, je passe à côté encore une fois. J'ai l'impression que ça me ralentit quand j'appuie sur le clic gauche. J'arrive pas à refaire des petits cercles. Ah yes! Ah bah dis donc, Mazette. On va attendre de faire le tour complet. Ça, on aura deux jolis cercles blancs. Transfert. Je sais pas du tout combien il y a de. Ah ok, alors là il y a trois planètes. Bon, au fur et à mesure ils vont rajouter quoi. Ok, on a la première. Je crois que c'est la plus éloignée là. Il y en a une juste à côté. Je pourrais peut-être m'éjecter direct quand j'en vois une. Hein. Si je peux la grappe direct. Je vais faire ça maintenant. Dur, je passe juste à côté. Oh. J'aurais pu essayer de la taper direct, mais j'étais pas dans l'alignement. On va s'éjecter maintenant. Hop là! Bah nickel. On n'aura pas trop lutté pour avoir les trois là, on aurait été rapide. Ouais, il y a vraiment un côté onde, mais en plus minimaliste. Ok. Singularité.
Là, je pars loin. Ouais, y en a deux qui sont vraiment côte à côte. Ouais, se suivant. Donc dès que j'ai fini mon cercle et je fonce vers l'extérieur, faut que j'essaie de taper dessus direct. Que je me loupe quoi. Quitte à y aller un petit peu en avant, voilà. Alors, je sais pas s'il y en a qui seraient plus à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah, il y a une grosse planète à l'extérieur. Elle doit être à peu près par ici maintenant. Bon là, elle a dû continuer à avancer. Je vais essayer de m'éjecter. Oh putain, je me suis grappé sur l'autre. Ah, ça se trouve, je suis attiré par leur centre de gravité. Blague. Il faudrait que je m'éjecte en arrière alors. Voilà, merci, repasse au milieu, reprends le centre de gravité centrale. On va les éviter. Si à un moment donné je vais rester fixé sur place dans le vide. Par contre, j'aimerais bien revoir l'autre planète dans ce cas-là. Ça, c'est un peu compliqué. On passe entre les deux. Enfin, pour choper la dernière, je vais m'amuser quoi. Ah, et juste là. Si le petit pont blanc qui se promène, faut essayer de le gauler. Là, ça va être compliqué. Ouais. Ah, yes! Ah, mince, je me suis décroché direct. Bon, ça, elle refait son cercle, mais. Ok, bon, on l'aura pas vu puisque je me suis décroché de l'autre. Et le truc blanc, il n'y avait pas besoin d'aller chercher alors. Ah, il n'y avait pas besoin. Ok, une grosse planète à l'intérieur. Attends, j'aurais dû ralentir là. En plus de ça là, 5. Elles sont hyper loin. Ah, loupé. Yes. Yes. Je crois qu'après c'est plus à l'extérieur. Faut que j'arrive à décoller, à partir hyper loin. Éviter de
On va me refixer sur une des planètes que j'ai croisées déjà. Il se trouve, faut utiliser la gravité des autres planètes qu'on a déjà goulées pour l'avoir. Ça me fera le symbole d'un atome, la légende. Ah, dur. Vas-y, accélère. Et tape-moi la planète là. Yes. Ok. Il m'en manquerait une. Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. Ah, je vais m'éjecter par ici. Yeah, voilà. Parfait. On les a toutes. Normalement, on les a toutes. Hein. Ah, voilà, il y a le logo qui apparaît. Bon, j'ai du cul pour la dernière. Hein. Donc, on va passer à 6 planètes maintenant. Et ça va être quelque chose. Je sais pas combien il y a de biomes. Et a priori, le dessin là, je sais pas si c'est le plan. Du nombre de planètes qu'on va avoir. Je sais pas si je peux cliquer dessus. Restart machin continue. Et si je clique là. Ok. Une grosse planète. Ok, on en a vu une autre. Toute petite. Yes. Limite, elle se touche en passant. Ok, nickel. Pas beaucoup là si je me fais toutes les planètes que j'ai déjà faites. Ah bah, faudrait que je circule par là. Et donc la dernière. Ouais, je les ai toutes eues. Ok. Ça aura pas été trop compliqué. Bah écoute, on va s'en faire un petit dernier. Hein. Ouais, je sais pas combien il y en a exactement. On va être voir dans les succès. Celestial Voyager. Allez, c'est parti. Yes. Je crois que je l'aurais pas. Voilà. Il y en a trois les unes à côté des autres. Ok, donc le but du jeu, ça va être de faire ça maintenant. Ah ben là, j'ai eu les deux directs. Je suis passé de l'une à l'autre, quoi. Savoir où va être la dernière. Il manquerait celle qui est le plus à l'extérieur. Ah non, il y en a une qui est sur la même ligne que celle que je viens de prendre. Et elle serait... soit plus à l'arrière, soit plus devant.
d'y aller, hein. Ah bah elle est juste là. Ok, donc elle est derrière, faut que j'arrive à y retourner. Je viens de passer à côté quoi. Ça fait qu'il y en a deux alors. Passer devant encore. Peut-être la voir à la sortie là. Oh, ça va être compliqué. Après, c'est peut-être la même, mais sa courbe. Elle fait comme ça quoi. Par là, là. Tu peux la gauler, s'il te plaît. Ok. Ah bah dis donc, les jeunes, ça n'a pas été de tourpeau. Ça fait un moment que j'y suis. Succès déverrouillé. Ready for a listing. Ok, vas-y. Mets-moi l'heure et le jour. Ok, deux planètes juste là. Si je pouvais les éviter, ce serait bien. Faudrait que je les ai en dernier. Parce que les plus chiantes après, c'est celles qu'il y a à l'extérieur, quoi. Donc. Le fait d'appuyer sur clic gauche, je crois que ça me fait juste ralentir en fait. Ça me permet de m'éjecter aussi. On a loupé le peu. Ah, c'est une blague. Deux planètes sur le cercle extérieur. Je sais pas si le fait de mettre le curseur à un endroit, ça a un impact sur quelque chose ou pas. Si rien, c'est que j'arrive à revenir par l'extérieur. Il doit y avoir une planète ici, une planète là. S'éjecter par ici. C'est vrai qu'on les voit apparaître à un moment ou un autre aussi. Donc celle-ci et celle-ci. Là, je suis censé en avoir trois qui s'alignent. Là, pour le coup, j'en ai deux.
moins qu'il y en ait encore une autre qui traîne quelque part dans l'alignement de ces deux-là. Donc elle devrait être peut-être par ici ou par là, mais pour le moment, pas rien. Et les deux autres à l'extérieur, elles veulent pas venir, quoi. Hein. Faudrait que j'arrive à faire des plus grands cercles, à repartir loin, loin, loin. Mais ça perd de vouloir, quoi. Avec l'attraction des autres planètes, là, là, forcément, je vais me coller sur celle-là. On se retrouve quand j'ai attrapé la prochaine, parce que là, j'y suis encore demain. Hein. Ok, les gènes. Oh, punaise. Ah ouais, alors, faut voir la trajectoire qu'elle prenait, celle-là. Je pouvais toujours encore espérer. Il n'y avait que ici ou là alors pour la gauler. Mais l'autre, si elle me fait la même chose, c'est chaud quoi. Je vais attendre de faire le cercle entier pour voir où elle va. Mais je crois que la petite, elle est paumée quelque part. Hein. Et moi, ça, j'ai fait une voie lactée. Il n'y a plus rien. Ah, ok, elle passe là. Donc elle fait la même chose. En plus petit quoi. Que je vais pouvoir la gauler. Ah, nickel. Ah, je me suis envoyé direct de l'autre côté, je l'ai eu. Ah, bah, ça aurait été beaucoup plus facile d'avoir la dernière grâce à celle-là que de faire 1000 zigzags. Vous imaginez là tous les passages que j'ai fait sans réussir à la voir déjà. Alors qu'elle passait juste à côté de cette grosse planète, mais je sais pas si à un moment elle finissait par se croiser ou pas, parce qu'elle passe pas loin. Hein. Même là sur les axes. En gros, il aurait fallu que je reste fixé sur celle-ci et que j'attende patiemment. Mais je suis pas sûr que. Enfin, quoi qu'elles vont plus vite. Donc peut-être qu'à un moment donné, elles finissent par se croiser. Mais. Je sais pas. Bah écoutez, voilà. C'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que cette petite découverte vous aura fait plaisir. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Succès déverrouillé, 8ème planète. Et puis si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, que ce soit en let's play ou autre test et découverte, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Je tiens encore une fois à remercier eh bien l'équipe d'édition et de développement qui m'a gentiment offert une petite clé afin de vous présenter ce jeu. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la fin ou est-ce que c'est un nouveau monde? Bon, en tout cas, merci à Planetary Gear de m'avoir gentiment fourni et proposé de tester leur jeu en me passant une clé. Et on va attendre de voir si c'est la fin ou pas. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Et survivez bien. Alors, peut-être qu'il y a un truc à faire avec faut que je clique. J'aurais pas, j'ai cliqué, mais. Ouais, donc en gros, je peux choisir les mondes. Je sais pas si ça, c'en est un nouveau. Ça se trouve, c'est le premier. Et on les a tous fait, donc 3, 6, 7, 8, 9, les jeunes, il y a... Donc on peut-être pas celui du milieu, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, et donc là, ce serait le prochain. Bah écoutez, on se retrouvera pour faire les suivants, il y en a encore deux autres. Bah on se retrouvera pour les faire une prochaine fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'est la bonne, ciao ciao tout le monde, et survivez bien. Excellent. Oh donc, il me faut simplement quelqu'un... On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.